guys that strap up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget, fidget. Bonsoir, chers amis de KMT. Ce soir, nous enregistrons une nouvelle émission avec un nouvel invité, bien sûr. Alors, je reçois M. Mehdi Nesmond, alias NMDIL. Alors, il va nous expliquer son nom. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir, Madame Duclos. Voilà, donc je me présente NMDIL, pour ceux qui savent, Nesmond Mehdi Dil, donc alias Mehdi Nesmond, ou inversé, voilà. D'accord. Alors, le mot deal a été choisi. Alors, justement, c'est que c'était dans une période où, justement, c'était tout le temps relié à quelque chose de négatif. Et je me suis dit, puisque c'était un mot commun qui pouvait être utilisé dans le bon sens, ben, je lui ai donné une définition qui est toujours d'ailleurs, dix faits éteints à présent les mains. La toute première, c'était. En prenant chaque lettre séparément. Voilà, chaque lettre séparément, donc en faisant un sigle. Et pour une version française, ça donnait de déterminer à agir longuement. Donc voilà, d'accord. C'était ça l'objectif. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous raconter un petit peu votre parcours ? Alors, j'ai commencé à tomber amoureux de la musique dans les années 90, en 1991 très exactement. Mm-hmm. C'est en écoutant les longues ondes. C'était France Inter à l'époque, où justement le rap démarrait. Et la... Vous étiez en Martinique à ce moment-là ? Non, je n'étais pas. J'étais dans un autre département, en Guyane en l'occurrence. Et je suis né en France d'origine martiniquaise, mais j'étais là-bas à ce moment-là. Et j'ai découvert donc cette mouvance musicale par le biais d'un morceau qui s'appelle Les Tam Tam de l'Afrique, qui a été interprété par Shuriken. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à ça. Et de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres choses sur les longues ondes, c'est-à-dire une émission qui s'appelait Bouli Baï Sound System, avec Malik sur RFI, c'est encore une autre station, France Inter RFI. Et puis là, j'ai découvert toute la mouvance reggae, raga et rap également, qui existait déjà, qui était donc déjà influencée par la Jamaïque et par les États-Unis. Et donc voilà, Vous aviez quel âge à peu près ? Ah, j'étais 15, je ne sais pas, 91. C'est l'adolescence ? Voilà, 15, 14 ans. D'accord. Voilà. Et donc puis, à partir de là, ça vous a marqué ? Oui, et puis le véritable moment où je me suis dit que je vais marquer d'une pierre blanche cette année, sans pour autant me souvenir très exactement du jour, c'était au mois de septembre en tous les cas. Mm-hmm. C'est lorsque je suis monté pour la première fois sur une scène et j'avais décidé de dire que c'était le jour où je me suis baptisé, entre guillemets. D'accord. Et c'était voilà, en 1993. Et à partir de là. Et c'était où ? C'était encore. J'ai pas rappelé en antillais, mais ni en guyanais, mais j'avais fait un texte en français, mm-hmm. qui parlait d'amour d'ailleurs. Et j'ai eu le bon accueil du public à ce moment-là. Et j'ai dit, je vais continuer. D'accord. Bon, de façon timide, bien évidemment, c'était pas, mais c'était juste un dancing et c'était très, très intéressant comme expérience et j'ai apprécié. D'accord. Est-ce que vous avez un métier dans la vie qui n'a aucun rapport avec la musique ou... Alors oui, en rapport, j'en ai un, mais il est en rapport. Je suis un professionnel indépendant de l'infographie, du web design, de la conception design et de la réalisation vidéo, montage vidéo et réalisation vidéo. C'est-à-dire que je peux faire de la publicité, je passe au clip, au court-métrage le long pour bientôt. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais voilà, c'est que j'ai dû... vous savez, ça n'a pas été... offert. Donc j'ai dû à des moments donnés m'arrêter, me dire bon ben il va falloir peut-être que tu fasses ces choses toi-même pour pouvoir réaliser ce que tu envisages, notamment commencer à me motoproduire à partir de 2002. C'était suite à des formations que j'ai eues en France dans le son et après dans l'image et etc. D'accord. Alors on va découvrir bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas. Votre musique à l'antenne, mais vous êtes auteur, compositeur ? Voilà, et je me suis donc inscrit à la SACEM en 1998, juillet 98, pour être plus précis. Mm-hmm. C'était pour moi une étape aussi importante, parce qu'elle disait que bon, c'était une décision, quoi. Mm-hmm. Que, même si j'allais peut-être pas en vivre sur le long terme, mais j'allais au moins pouvoir en bénéficier quelque chose, c'est-à-dire que mon travail ne serait pas en vain.
C'est très important pour moi. Donc j'ai surveillé chacune de ces petites démarches, notamment le fait d'avoir ouvert une association pour créer mon label et puis m'auto-produire, quoi. D'accord. Comment s'appelle votre association ? Alors Cousin, K-O-U-Z, le chiffre 1. D'accord, c'est facile. Oui. On va écouter donc un premier clip qui s'appelle « Femme forte ». Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots ? Est-ce que c'est un hommage à la femme ? C'est de quoi ça, il s'agit exactement ? Oui, comme le titre l'indique, oui, un hommage à la femme. Et puis surtout à la femme du monde, quelle que soit son origine. Voilà, c'est un duo avec un artiste qui s'appelle Didimad, que j'avais appelé justement à cette occasion, parce qu'on m'avait envoyé un instrumental qui était de Guy Alemsi, du groupe Metal Sound. Et donc, il m'a envoyé un instru, donc j'ai fait un son. Et puis, j'ai dit, bon, ben, je vais inviter un artiste, et puis ça a donné ça. D'accord. Donc, on découvre tout de suite à l'antenne le clip de Femme forte. Tu es forte, tu es ma femme. Je me sens mieux qu'hier, car aujourd'hui j'ai déposé les armes. Pas de doute, je suis sûr et certain que tu m'es destiné. Tu nous guideras et nous montreras le chemin illuminé. Parce que tu es celle qu'il me faut, tu es celle qu'il me faut. Hey, all my feet are mis à mes côtés. Tu es celle qu'il me faut, tu es celle qu'il me faut. Hey, pourrais-je encore demander? Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, la lumière que tu m'as apportée. Femme forte, femme forte, femme forte, femme. Loin des soucis, j'ai choisi de recommencer ma vie. Trop d'amour ici pour ceci. Soit disant mes ancêtres ceci. Où es-tu l'amour de ma vie? Trop de roses aux haleines moisies. Viviens l'adresse à la date choisie. Pas de choix, je suis le leader. Tu vis de ma vie. Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, all my feet are mis à mes côtés. Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, pourrais-je encore demander? Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, la lumière que tu m'as apportée. Femme forte, femme forte, femme. Tu me rends fier, tu es forte, tu es ma femme. Je me sens mieux qu'hier, car aujourd'hui j'ai déposé les armes. Pas de doute, je suis sûr et certain que tu m'es destiné. Tu nous guideras et nous montreras le chemin illuminé. Parce que tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, all my feet are mis à mes côtés. Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, que pourrais-je encore demander? Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, la lumière que tu m'as apportée. Femme forte, femme forte, femme forte, femme. Elle arrive à me faire me surpasser. Elle me rend fort et je suis encore plus motivé. C'est elle qui me rend meilleur chaque jour. Je veux que notre relation dure toujours. Et je ferai ce qu'il faut pour. Une rencontre a fait que ma vie a changé. Au fond de moi je savais que tu m'étais destiné. J'arrête vivant, mes prières sont exaucées. Laisse-moi t'aimer, c'est avec toi que je veux avancer. Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, all my feet are mis à mes côtés. Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, que pourrais-je encore demander? Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, la lumière que tu m'as apportée. Femme forte, femme forte, femme forte, femme. Tu me rends fier, tu es forte, tu es ma femme. Je me sens bien hier, car aujourd'hui j'ai déposé les armes. Pas de doute, je suis sûr et certain que tu m'es destiné. Tu nous guideras et nous montreras le chemin illuminé. Parce que tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, all my feet are mis à mes côtés. Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, que pourrais-je encore demander? Tu es celle qui me faut, tu es celle qui me faut. Hey, la lumière que tu m'as apportée. Femme forte, femme forte, femme.
Bonsoir Nemdine. Merci plutôt Nemdine. L'autre artiste. Merci à vous. Comment ? Merci à vous. Oui. L'autre artiste a partagé avec vous donc l'écriture des. Voilà. On a fait chacun son couplet et c'est en fonction de la musique. En fonction de la musique, d'accord. Alors, je pense que la collaboration a été fructueuse. Oui, elle a été très même. Il y a eu un deuxième morceau ensuite. C'était. Non, il y avait un morceau avant, ça c'était le troisième. Le deuxième, je veux dire. Et voilà, ça a été fluctuant. D'accord. Fructueux. Vous êtes toujours en rapport ? Plus maintenant, mais je pense qu'il va bien. Donc, d'accord. Ce titre-là a été fait il y a à peu près combien d'années ? Alors, il a été fait peut-être il y a deux ans. Deux ou trois ans de ça. Ouais. C'était avant le Covid. Exactement. D'où l'exploitation de la savane. Quand on regarde les images maintenant, quand on voit les gens goûter les uns voilà, les autres. Voilà. Il y a une époque où on était libre, quoi. Exactement. Ben, ça rappelle ça. Puis, ouais, j'espère ça. Que ça va la ramener aussi, la belle époque. Oui, tout à fait. Et comment vous réunissez l'équipe de musiciens qui, pour la musique ? Ben, justement. Il y a juste un appel qui est fait, et puis c'est à celui qui se sent concerné. Qui sur les réseaux voilà. Oui. En l'occurrence, l'artiste en question, c'était dû à quelqu'un qui nous avait mis en contact. Monsieur Patrick Lafrontière, je crois, qui nous avait mis en contact. Et du coup, bon, ben, voilà, ça a donné ça, des compositions intéressantes. D'accord. Quels sont vos artistes favoris, d'une manière générale ? Ils sont plus jazz. En l'occurrence, c'est soul. Mm-hmm. Parmi les chanteuses, bon, il y a Mary J. Blige. Parmi les grands artistes, on a Otis Redding, on a James Bond évidemment. Et parmi les jazzman, eh ben pas de détour, hein, Miles Davis. D'accord. Voilà. Donc plutôt influence américaine. Oui, mm-hmm. Je vais pas parler forcément des gens d'ici. Oui, oui. Puisque en vérité, on est sur une île d'artistes. Il y a beaucoup de musiciens, et puis tout le monde essaie de se valoriser du mieux qu'il peut. Est-ce qu'à part l'instrument vocal, vous avez d'autres instruments que vous maîtrisez ? Alors, pas d'instrument en particulier, mis à part le fait que je sache composer. Mm-hmm. Donc, je programme moi-même mes musiques aussi. Donc, vous êtes plus programmateur. D'accord. Voilà, j'ai fait également ça. OK. Votre musique a parfois des côté sombre, si on peut dire, pas dans ce titre, hein. Je précise, puisque les gens vont se dire « Ah non, on n'a pas trouvé ». Est-ce que vous avez un aspect qu'on peut qualifier de mystique ? Non, je recherche plus la vibration de l'âme, des fois. Je cherche des fois à créer des réponses, notamment sur mes trois derniers projets. Il y a des morceaux sur lesquels je dénote effectivement ce côté sombre. Légère, par exemple, le titre « Légère ». Il y a M. Medinesmon également, il y a le côté dub, mais vraiment avec une recherche où véritablement ce n'est plus le corps qui doit danser, mais c'est l'âme qui doit. Enfin, c'est beaucoup dire, mais c'est la volonté qui est derrière ça. Où pour moi, je ne sens pas la nécessité de mettre beaucoup de mots dans le morceau, mais de vraiment cibler mon thème. Mettre une atmosphère pour aller plus vite. Exactement. D'accord. Alors, dans vos textes, il y a un mélange d'influences religieuses, en tout cas de références religieuses, de vie privée, de revendications, par exemple, pour la marijuana. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un militant ? Ah, alors là... Non, j'essaie déjà de me définir comme quelqu'un qui essaie de vivre dans une société et d'y participer et de la faire grandir. C'est ça, c'est juste ça. Juste ça. Alors... Il y a différentes phases que vous avez évoquées qui sont en grand jour actuellement, des choses qui ont été acceptées par l'État français, le côté revendicatif de ses origines également, ça c'est aussi c'est au goût du jour et ça fait partie de la construction du monde, parce que même si nous allons tous vers un point ultime où on reconnaîtra l'être humain avant sa couleur de peau, il faut d'abord qu'on accepte et qu'on respecte toutes les origines de chacun. Toutes les histoires et histoires antérieures de chacun et chacune, et de façon à ce qu'on puisse tous accepter le futur. Quoi. D'accord. Tout en sachant que l'homme à la base vient d'Afrique. Donc, il y a ce côté-là. Mm-hmm. Enfin, l'homme vient du monde et oui, l'homme vient d'Afrique aussi, oui. Qu'est-ce que vous pensez de vos confrères, justement, artistes antillais ? Ben, chacun fait comme j'ai dit tout à l'heure, chacun défend son titre, chacun défend aussi sa culture, ça revient aussi parce à ça. Parce qu'il y en a qui ont des thèmes plus,
plus ciblés que d'autres? Vous savez, le public est large. Hein. Donc, tant qu'il y a de la diversité, mieux c'est. Mm-hmm. Parce que lorsque c'est répétitif et que tout le temps copie, tout le monde copie tout le monde, c'est plus intéressant. Donc, plus il y a de la diversité, plus il y a de la richesse, mm-hmm. plus c'est intéressant. Il y a de la création. Voilà. Est-ce que vous avez votre propre studio ou bien est-ce que vous allez enregistrer Alors, j'ai des occasions d'aller enregistrer, mais essentiellement, je dirais même à 90%, je suis en home studio, je m'autoproduis, comme j'expliquais tout à l'heure. D'accord, parce que comme vous avez dit que vous faites de la programmation, voilà. Je me suis dit que ça veut dire que vous avez du matériel à la maison. Voilà, je fais de mes compositions, je m'enregistre, je masterise avec certitude tous mes sons, donc voilà. D'accord. Nous allons écouter un deuxième clip qui s'appelle « Pousser Timounlan ». Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Alors, c'est l'histoire du premier rap en créole guyanais écrit par un Martiniquais, entre guillemets. Mais en tous les cas, c'est l'histoire d'un morceau qui a été inspiré par le groupe Inspiration de Guyane, mm-hmm. qui décriait un peu le fait qu'il y avait un manque de solidarité, manque de courage. Donc, par rapport à une situation que j'ai vécue personnelle qui était assez compliquée, où j'ai eu la chance de me réveiller un matin vivant. J'ai écrit ce morceau-là ensuite et ça a donné ça, quoi, Pousser Timounlan, qui évoque dans tout ça et qui protège et qui projette vers un avenir meilleur. Vous avez eu du harcèlement quand vous étiez... Pas ça. C'est que, c'était l'histoire d'un... Je sais pas si je devrais le dire, mais si. C'était un cambriolage qu'il y avait eu et puis ça... Bon, ça a dégénéré. Ben, c'est pas que ça a dégénéré, c'est que j'ai eu la chance de me réveiller un matin et j'étais encore là, quoi. Et voilà, donc j'ai vu tout était dévalisé, c'était en 96. Et c'est... D'ailleurs, ce morceau-là est allé sur une compile. Donc il y a eu un traumatisme quand même à ce niveau-là. C'était même pas... C'était une façon de se débarrasser de ça. Il faut dire que c'est qui est, c'était assez lourd. Donc je me suis débarrassé de cette charge, effectivement. Mais le morceau en question, il a été fait après, parce qu'en vérité, il est passé sur une compile ensuite. Mais en vérité, cette compilation devait avoir un autre titre, qui était dédié à une femme. J'ai préféré mettre ça en avant, pour pouvoir remettre en question certaines attitudes et puis essayer de trouver une solution au problème de l'insécurité. Voilà. D'accord. On va écouter ça tout de suite. Merci.
à nous-mêmes qu'elle m'aime. Respect pour ça qui a respecté. Qui m'invirait pour ça qui a dérespecté. Bon, est-ce mes messages a bien passé? Ouais! À présent, pour mon pote, bien souhait. Pour ces petits mounions, guerre une belle, la qui coûte en temps. En nous baille devant ces mounions. Mon dans le pays. Au papa ouais, beaucoup esprit grandi, pousse et timounion gagne une belle la vie. Bon dans le pays, au papa ouais, beaucoup esprit grandi, pousse et timounion gagne une belle la vie. Bon dans le pays, au papa ouais, beaucoup esprit grandi, pousse et timounion gagne une belle la vie. Bon dans le pays, au papa ouais, beaucoup esprit grandi, pousse et timounion gagne une belle la vie. Bon dans le pays, au papa ouais, beaucoup esprit grandi, pousse et timounion gagne une belle la vie. Bon dans le pays, au papa ouais, beaucoup esprit grandi, pousse et timounion gagne une belle la vie. Bon dans le pays. Alors, dans ce deuxième clip, en fait, on voit des images de la Guyane, de la Martinique. Voilà, il y a des images de la Guyane et de la Martinique. Donc, c'est un clip qui a été fait longtemps après. Il faut dire qu'il y avait une version qui était prévue, mais qui n'a pas pu voir le jour. Donc, encore une fois, je me suis pris en main et j'ai pu réaliser ça. Bon, ça évoque effectivement un côté, entre guillemets, colonialiste, enfin esclavagiste, du moins avec les habitations et le champ de canne dans Martinique, et le côté les grandes chaînes de c'est à la place des Amandiers, je crois, non c'est avant la place des Amandiers à Cayenne, la plage Buzaré, si je me trompe pas. j'ai un peu oublié, ça fait longtemps que j'ai pas été là-bas. Et on a. Quand vous avez passé une grande partie de votre enfance là-bas, mais j'ai fait un bon petit moment. Je suis retourné comme il y a en 2019, 2020, ouais, et puis voilà quoi. D'accord. Mais j'ai pas fait peut-être pas plus de 6 mois, donc je suis rentré après. Mais en tous les cas, voilà, c'est un mélange de tout, de tous ces endroits, tous ces univers, puis mon origine, un endroit où j'ai passé une grande partie de mon enfance, que j'aime beaucoup d'ailleurs. D'accord. Alors, votre naissance en métropole. Voilà, à Paris dans le 20e, Montmorency, voilà. Dans le 20e. Une partie de votre enfance, votre adolescence, jusqu'au bac en Guyane. Et après, vous êtes revenu directement en Martinique. Après, non, j'ai eu encore un voyage à Paris, je suis rentré en Guyane de nouveau, et puis après j'ai dit, je vais rencontrer mon pays d'origine, et puis je vais D'accord, parce qu'au départ, vous n'arriviez pas à vous fixer, à dire, je suis de tel endroit. En fait, c'était plus qu'il n'y avait pas véritablement de choses qui me permettaient de me dire, je pouvais m'installer à un seul endroit, puis rester fixe là. Mm-hmm. Donc j'ai dit, je vais en profiter pour voir mon pays d'origine, et puis depuis, je suis là depuis maintenant 12 ans. Donc voilà, quoi. D'accord. Je suis arrivé ici en 7 février 2009, c'était en pleine grève en plus. Ah oui. Donc j'ai vu toute l'agitation qu'il y avait. C'était très intéressant à voir. D'ailleurs... Vous avez participé ? Participer, non. J'étais observateur, parce qu'il fallait d'abord que je comprenne véritablement les causes, avant de faire partie des conséquences. Parce que les conséquences, ça a été quoi, en fin de compte ? Il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais il y a une volonté forte, au niveau des prix, mais il y a une volonté forte de se prendre en main. Et participer à ça, c'est très intéressant. D'accord. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec des artistes connus ? Connus. Grand public. Ah vraiment? Qui? Ben en Guyane, oui, René Claude Daniel, qui est un artiste de renom. Mm-hmm. Qui encore? Ben encore. Qui encore? Encore. Ben Jabbar en Guyane également. Il y a connu. Il y a en Martinique, il y a Skiz, on pourrait dire ici. Mm-hmm. Qui a fait les premiers Zouk Rap avec Jean-Michel Rotin à l'époque. Il y a qui encore? Il y a d'autres personnes, mais je vais pas dénigrer les gens, mais bon, il y a d'autres personnes qui ont travaillé. Et que d'une façon ou d'une autre, je préfère travailler avec quelqu'un avec qui le courant passe, qu'il soit connu ou non. Parce que, ouais,
ça me permet de dire que ma priorité, c'est d'abord de faire quelque chose qui me plaît, avant de penser business. C'est qu'une fois que la chose qui me plaît justement est belle et conforme et puis acceptable partout, on peut évidemment éventuellement penser. Voilà. Après. D'accord. Et votre musique est diffusée où exactement? C'est-à-dire que si quelqu'un veut découvrir, écouter, parce qu'il y en a des quantités de titres. Hein, donc, Exact. Alors, ce qui m'a permis d'être encore plus connu, c'est grâce à une rencontre que j'ai faite en ligne. Qui m'a permis de déboucher vers un contrat chez Believe et de là permettre à mon entreprise qui était de me prendre en main en tant qu'autodidacte dans la musique, producteur, mm-hmm. réalisateur, auteur-compositeur, interprète, mm-hmm. de pouvoir asseoir mes capacités, quoi, dire que véritablement je le suis et puis que je peux gérer. Mm-hmm. C'est grâce à ce contrat-là que j'ai pu donc déverser la totalité de mes créations. Donc ce qui me donne à ce jour 13 albums, ce qui me donne pas mal de singles également. Mais comme vous pouvez le comprendre, je suis toujours en travail pour pouvoir asseoir des retours sur investissement sans cesse. Oui, ça c'est clair. De toute façon, beaucoup d'artistes, même les plus connus, ont des difficultés tout, à ce niveau-là. Tout le monde sait ça. Tout le monde le sait. Alors, si quelqu'un veut vous écouter, la personne va sur YouTube, tapant NM Deal. Exactement. Alors, Deal comme un deal, D-E-A-L. Voilà, D-E-A-L. Donc, voilà. NM Deal sur YouTube. Sur YouTube. Sur n'importe quelle autre plateforme, c'est-à-dire Spotify, Deezer, mm-hmm. Amazon, iTunes, Tidal, Swan, et puis j'en passe et des meilleurs. Toutes les plateformes de téléchargement légal. D'accord. Très important. Vous êtes dessus. Et si quelqu'un veut vous contacter, vous directement, est-ce qu'il y a un numéro, quelque chose? Alors oui, alors 06 96 81 84 79. 06 96 81 84 79. Donc par WhatsApp aussi. Mm-hmm. C'est là qu'on voit également toutes mes productions musicales. J'ai créé un mini-site par le biais de WhatsApp et on peut également voir tout ce que je fais là-dedans. D'accord. Donc c'est pour ceux qui, dont on a poussé la curiosité un petit peu ce soir avec quelques titres. Ben, vous êtes les bienvenus. De voir ce que vous faites à part ça. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé, qui auraient envie d'aller plus loin. Mm. Voilà. On va écouter un dernier clip qui s'appelle « C'est toi ». Voilà, c'est encore Parole et Musique. Exactement. Là, il y a une participation de mon ami qui a choisi en fait un morceau parmi mon répertoire et qui a décidé de faire ses petits arrangements. Alors, ce morceau-là a eu la chance d'être enregistré en studio en France avec Monsieur Maxi. Enfin, je l'appelle Monsieur, mais c'est vrai que c'est un grand de la musique également. Il peut faire partie des personnes connues que j'ai oubliées. Mmh. Et il a enregistré, j'ai tourné le clip en même temps. Il y a dans les chœurs Sista Jayan. Donc voilà quoi, un morceau. D'accord, on découvre ça tout de suite. Aujourd'hui, ne réalise pas, oublie qu'être avec quelqu'un qu'on aime du soir au matin sans fin est d'une douceur. Tu me comprends mon cœur, car quand le temps passe, que tu es à mes côtés, tout ce que je veux, c'est toi, tu le sais. Toi et moi, explorons les domaines sexuels, on s'unissème à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, sauf toi, hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon c'est toi, à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, sauf toi, hardcore, jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Juste nous deux, nos corps en feu, que de moments divins. La compréhension
incompréhensible par des tableaux, par des mots. Inutile serait ma tentative dans ce micro où tu es la braise, réchauffant mes rêves, me montrant la route. Maintenant oui, toujours j'y pense. Oh, chant à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Le flot des caresses éveille les réflexes, avec allégresse et avec tendresse, beaucoup de finesse. L'ascension à la septième vitesse, relax, c'est l'amour qui est au max. Les relations humaines pour seule taxe, causées par des sentiments. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie, sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie, sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie, sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie, sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Alors, NMDIL, tout le monde a vu le nom s'afficher. Oui. C'était l'invité d'aujourd'hui sur KMT Télévision. Donc, un artiste que certains ont pu découvrir. Et qu'est-ce que tu... enfin, je dis tu à la fin, parce que je ne le connaissais pas. Hein. Bon, pourrais faire passer comme message au public. Alors, profitez de la vie, surtout par cette période. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et écoutez ma musique, essentiellement. Parmi toutes celles qu'il y a de disponibles. Voilà. Alors, je peux préciser qu'il y a beaucoup de titres. Voilà, oui. Il y en a qui ont d'autres atmosphères. Exactement. Alors, on n'en a choisi que trois pour l'émission, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais. Mais après, si vous voulez fouiller et aller regarder d'autres univers, d'autres atmosphères, c'est à vous de le faire. Voilà. Voilà, il y a tous les styles de musique, hein, que ce soit... Ça part de, même du Belek à Seko, et ça remonte par la soul, ça passe par le reggae, ça passe par le R&B, ça passe par la kizumba, ça passe par le zouk. Voilà, toujours avec ma tonalité, soit rap, soit toasté, soit slamé. Voilà, hip-hop, hip-hop, raga ou slam. Et chanter des fois, je dirais même singe, et voilà. Ok, ben merci beaucoup à NMDIL. Voilà, merci à vous. Et puis un dernier mot, encore un hommage à... Je dédie cette émission à Aimé Aga pour ce qu'il a fait pour les artistes qui se battent pour leur musique, justement. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup. À la prochaine avec un nouvel invité. Bye bye. The hand that guides a strap up off the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget.